C'est comme ça s'atteler et nous capables de voir comment que nous tout est sur place, toute équipe plantée déplacée pour nous porter bel reportage ça pour vous. Et nous avons dit que c'est un week-end tout à fait particulier. Nous sommes très gâtés puisque le lendemain de festival là, eh bien, tu as gagné dans California Mall, dernier film de Reynald Delerm. Reynald Delerm, c'est un monde que nous considérons parmi les monde qui baille cinéma ici en pile valeur, en pile jarrette, parce que parmi les premiers, dans premier qui a fait cinéma en Haïti. Jab Baba, c'est nouveau film, Reynald Delerm, n'a pas quitté enjoy une petite séquence dans le reportage que Kajou TV a fait pour vous dimanche dernier. Kajou TV, mesdames et messieurs, toujours répondre présent dans toute activité. Pour Alatra Kabou Baba, c'était dans Rex Théâtre, Mario Laguerre répond présent. Et jeudi, sur l'autre invitation spéciale, Mario Laguerre, encore une fois, répond présent avec un gros artiste, star ça, qui passait de présentation, Reynald Delerm. Je pense que lui-même, jeudi, dans quatre grandes premières, il pourra le gagner pour le parler avec téléspectateurs pour dire nous qui côté le sorti pour le river avec nos movies ça je ne dis rien qui se dit à Baba Reynald nous salut Kajou TV et de la traque pour Baba à Jab Baba on connaît tellement fait Baba passer mise dans la traque pour Baba donc j'ai décidé d'entrer dans Jab pour venir connait avec monde okay. Et puis malchance pour Papa Pierre okay. C'est lui même que Jab l'a choisi pour la traque connait avec alors c'est ça mon pour assister là dans la soya mais comme est spécial moi t'a voulu dire et Kajou TV avec tout le monde qui suivre l'aime de faire grand premier film ça en Haïti le 3 octobre yo t'ai demandé moins la presse t'ai demandé moins avec Ciné Impérial qui ferme, est-ce que cela veut dire que le cinéma haïtien fermé okay. Et puis je me dis non, le cinéma haïtien pas fermé, il est transporté en Floride. Okay. Alors c'est ça que j'ai appris à ce là. Grande première, nous avons fait Jonte Oué. Dernière grande première, moi avons fait, qui était dans Rex là, côté okay. Là, où songez Jean Léon. Nous n'avons pas fait l'Haïti encore, mais dans la cour Floride, nous sommes capables de faire. Okay. Vive le cinéma haïtien, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Jacques Nde annonce au lit, Kajou TV toujours présent. Actuellement, là, nous sommes ensemble avec nous, Papa Pierre. Papa Pierre, qui joue dans plusieurs movies. Jodian là, Papa Pierre, dans Diab Baba. Papa Pierre, parlez-nous de présence Papa Pierre dans le movie. Ça. Bon, Diab Baba, c'est pour moi-même son curiosité pour la jeunesse et du cinéma haïtien. Quand je dis la jeunesse, parce que jeune, c'est aussi. Fait un pile effort dans le domaine de cinématographie. Mais cependant, nous même en tant que vétérans, nous avons fort embrasser pour nous capables d'encourager nous obliger de mettre performance par nous dehors pour nous faire chemin plus facile pour eux. Okay. Mais plus grande surprise, à part de Diab Baba, nous connaissons bien que Kajou TV a une exclusivité pour le bail nouvelle ça. Parce que Papa Pierre, c'est un membre de famille pour Kajou TV. Alors, je fais nous connaître, nous tous les Kajou TV, je vais nous mettre ça aujourd'hui, grâce à la soirée. Ça. Papa Pierre, Boss Marcel, Frédéric, Tonton Gracier, nous retournons sous scène pour la plus belle. Et premier spectacle, nous avons fait, après inauguré, New York, parce que c'est là que tout le monde est écrasé, New York. Premier spectacle, nous avons fait Yonkers et Montvernante. Avec White Plain, ensuite, nous sommes dans New York Net, nous tombons New Jersey. Finalement, Floride, là, moi, c'est Kajou TV, qui pour connaître, qui va pour rencontrer ça peut être en premier lieu. Merci, Oussou, Kajou TV, dis-nous, je ne dis à présent, sur notre movie, ça, qui ça représente. Bon, mon cher, moi, je ne dis pas Papa Pierre en premier, mais c'est avec bon Dieu, puisque c'est pas Papa Pierre. Mettez-moi là avec l'Éternel. Moi, je dis merci pour ça. Et moi, même public là, fait très ça. Je suis tellement content de public ça là, je Kajou TV n'a pas continué. Actuellement, nous avons avec nous une belle actrice, hein, sous visage, nous avons une belle. Et de vous être sous Kajou, au style ou de belle tout. Et nous avons avec nous Natacha qui joue dans le movie Nathalie. Natacha, Kajou TV, salut. Salut, Kajou TV à tous les fans. Natacha, nous voyons que vous là aujourd'hui en cadre grande première Diab Baba. Est-ce que c'est pas curiosité ou bien est-ce que pas peur pour Diab Baba manger? Pas quoi me peur pour Diab Baba manger. Parce que me sont Diab peut-être pas. C'est vrai. Ou manger moun déjà. Mais il paraît que tu n'as pas vu Nathalie. Oui, j'ai vu Nathalie, mais là c'est un autre bagaille qu'a fait là. Mais Nathalie me déjà Rachel okay. Qui est en bas d'esprit. Okay. C'est ton mauvais esprit, me dit Nathalie. Définitivement, c'est un mauvais esprit qui vient quoi dans mon job. Voilà.
Parce que déjà qui souhaitent à artiste yo parce que nous je dis à la en pile jeune yo veulent entrer dans le cinéma qui souhaite qui message ou gain pour jeune ça yo un message moi gain pour me dire que pas décourager parce que moi nous a pas avancé n'a pas avancé très bien nous voulait faire un pile effort et nous voulait tout monde yo supporter nous parce que nous voulait faire un pile effort nous a essayer pour nous comme nous ca kebe cinéma ici là mais Natacha Kajou TV du merci merci Papa Pierre, oui. Nous pensons que le movie est sorti Diab Baba, ou même étant que acteur, et comment est l'appréciation publique là? Bon, définitivement, ça fait plaisir parce que je ne suis pas déçu. Parce que ça que je dépense, je ne connais que je ne suis pas d'attendre avec tout ça. Okay. Mais j'ai l'impression que, en deuxième fois, il y a pour comprendre les plus parce que tellement applaudi, il y a des mots que je n'attendais. Okay. Ok, à bientôt. Hein? À bientôt, Papa Pierre. Kajou TV, mesdames et messieurs, nous continuons avec un acteur, actrice. Nous avons une belle madame, ça, c'est madame Gossiwo. Oui. Et nous, Kajou TV, salut. Merci, je salue Kajou TV. Nous voyons que vous êtes une belle actrice qui a un peu de talent. Je pense que vous-même, vous jouez dans mon visage aujourd'hui. Qui ça dit pour vous? C'est vraiment un plaisir parce que c'est le premier movie moi. Okay. Et Diab Baba. Diab Baba c'est le premier movie et puis Baba était très nice pour le débat moi. On s'est parti dans le movie hein, et que nous vraiment you know, excited. Ça dit que l'expérience ça on fait aujourd'hui, hein, est-ce que ça peut vous dire que vous avez tout lancé dans le cinéma haïtien? Je vais regarder qui ça carré après. Vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de problème. Jean-Aubert, vous n'avez pas de problème avec vous. Jean-Aubert. Kajou TV, merci. Merci. Et c'est comment vous allez? Myrlène. Je pense que vous avez l'âge dans un movie, ça, ou c'est un star tout? Oui. Un star? Oui. Est-ce que vous avez dit nous comment on sent, comment on file de movie aujourd'hui? Oh, moi, je me sens très bien dans le movie parce que comme c'est la première fois que je joue un movie, je t'aime mais que pour me jouer toujours, moi je me sens très bien là-dedans. Mais est-ce que Myrlène, pour être dans le movie, ça, pas de petit inconvénient, pas de petit jalousie, pas de petit chirépite? Non, pas de petit jalousie, non, parce que c'est moi qui suis en premier, madame, papa, puis je me développe, je me définis, madame, papa, puis je ne suis pas capable. Okay. Et Myrlène, je pense que nous souhaitons déjà bonne chance, et je pense que vous-même, vous satisfaites tout. Étant qu'on jeune fille, tu as joué movie avec Papa Pierre. Oui, moi, je suis vraiment satisfait. Parce que Papa Pierre, c'est un monde qui m'a regardé longtemps depuis que j'étais petit monde. Je suis bon Dieu, je toujours qu'à rencontrer en vent, je suis bien, je suis mort, ou bien je suis mort. Mais bon Dieu, fait rêve, je réalisé. Et vous arrivez madame Papa Pierre. Et vous arrivez madame Papa Pierre, merci. Kajou TV, dis merci. Ok, moi-même, tout merci. Kajou TV, continuons. Ça, c'est frère Pam Ricardo Lefebvre, ancien. Radio Ibo, Ricardo Lefebvre, un acteur. Je pense que Ricardo, je vous dis, on s'est assisté avec grande première Diab Baba. Qui est pressé pour? Bon, moi, je suis très content parce que le moment rentré, je me dit que je viens là pour me chasser stress, pour me venir rire, C'est un très bon travail que Rinal fait dans Diab Baba. Mais on parle de très bon travail, moi-même, ça a attiré l'attention. Non, on dit attiré l'attention. La présence de Gracier et de Papa Pierre sur scène, ça veut dire qu'elle était petite qu'on voit. Bah moi mais c'est lui qui a tiré attention. Ça fait très longtemps que nous pas monsieur sur scène et nèg retourner sur scène ouais, gagner même complicité à même bagarre nèg font bon travail. Donc pense que c'est à encourager et comme nèg annoncé bientôt et il a sorti New York, pense que c'est pas un bel bagarre. Maman on connaît tout Ricardo même tout longtemps tout on en domaine là, mais qui message ou gagne pour jeune yo? Eh bien, on a dit que c'est persévérance, c'est pour continuer le travail et puis pas piga au penser à facilité. Parce que tout autant que ce n'est pas facile, vous voulez faire tout simplement, donc on va voir aucun côté avec le cinéma. Ricardo Lefebvre, DP Willy, Kajou TV, One Love. Merci. West Palm Beach, Kajou TV, sans manque. Hello! Yeah! Tout en plein, on a un restaurant, il y a travail. Qui ça? Tout employé a regardé Kajou TV? You fire! You know what I'm saying? You all fire! Et pour ça, Kajou TV a bâillé un programme intéressant, comme d'habitude. Comme branché, oui, là.
Kaju TV is number one. Oh, même moi me faille.